ça que mes guette là. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire quoi? On va faire des... On va faire de la... De la farine? Non, on va pas faire de la farine. Je me rappelle plus du nom. On va faire de la pâte. Pastel. Hein? Papa sal. Papa sal. Papa sal. Papa sal. Papa sal. Allez, tiens. Mais pourquoi vers l'arrière? Et pourquoi l'inverse? Alors, je vais vous baisser du coup. Allez, tu mets la farine. Alex, toi tu mets le reste. Mmh. Ouais. Non? Je veux faire quoi avec le fer? C'est là. C'est pas tes jouets. Tiens, mets-le au-dessus. Voilà, au cas où. Mets deux verres de farine, d'accord? Deux verres de farine. Il sera tiers ou pas? Ouais, vas-y. Il est juste là. Les patates. Ah là, là. Mmh. Oh, ça m'a mis beaucoup là. Pas grave. Ouais, on a deux verres de farine. Oh. Alexis va mettre. Un verre de sel, bah, j'ai fini déjà celui-là. Ah oui, faut pas faire ça, mon cœur. Faut pas faire ça. Ça pique. Bah, ça pique, en même temps, tu. Pourquoi t'as soufflé sur la farine? Ça bah, ça, t'as vu, ça fait mal aux yeux. Je vais la voir. Il y a de la farine dans l'œil. T'en as reçu? C'est normal, c'est parce que tu frottes. Ouais, faut pas souffler sur la farine. C'est comme si tu faisais ça avec le sable à la mer. Ton œil est rouge. Hein. Ah, bah alors, je vais vous laisser dans le plat. C'est toi qui vas mélanger? Parce que t'as vu, ça va faire un petit peu comme de la bouillasse. C'est toi qui mélanges ou pas? Oui. Oui, j'ai envie de faire ça. Et après, il y aura le sel et l'eau, donc ça sera bon. C'est bon. Tu en as vu? C'est ça? Tu peux voir, t'as quoi dans le verre du coup? T'as quoi dans le verre? Mais qu'est-ce que, mais vraiment, j'espère qu'on aura assez pour faire un verre parce que tu vas en garder pour manger. Il reste vraiment le fond. T'as quoi dans le verre? Il n'y a que ça. Ça va être chaud hein, de le remplir. On va vider le sel complet. Hein. J'ai intérêt à racheter du sel au magasin parce que là. Je vais plus en avoir pour manger. Je vais plus m'approcher. Souffle pas sur le sel. Tu dis ça parce que je viens de faire avec les. Mm-hmm. Il y en a assez là, non? Ouais. On va pas mettre plus, ça sert à rien. Tiens, tu peux aller mettre un verre d'eau tiède. D'accord? Pour que tu touches, que ce soit tiède. Tu peux commencer à manger si tu veux avec tes mains. Le sel et la farine. Le faire avec les mains? Bah oui. C'est parce qu'après tu vas devoir te laver les mains parce que quand on va mettre l'eau, ça va faire de, comme de la boue. Là, pour l'instant, tu peux mélanger parce que c'est que des trucs secs. Tu peux bien mélanger le sel avec la farine. Satisfaisant. Et qu'on aura bien ça avec les mains. Ça me donne envie de le goûter, wesh. Donc on va faire des belles formes. Alors tu peux faire des trucs d'Halloween ou pas d'Halloween. Moi je veux faire des trucs d'Halloween. Et puis ensuite... Oui, pourquoi il y a des poils? Faut pas faire des trop grosses pièces parce que sinon ça va avoir, être long à cuire. Ouais. Et ensuite il faut faire cuire et après il faudra les mettre en peinture. Ouais. Moi je vais faire genre des citrouilles, des fantômes. Si tu fais des belles petites citrouilles, on peut les mettre sur la table donc peut-être. Des citrouilles je vais faire. Faut pas faire des gros aussi, hein, parce que t'as vu sinon c'est long. Je vais essayer de faire tu sais, des petits fantômes, des citrouilles après. Bah, peut-être des sorcières.
Après, je peux essayer des zombies. Mais je peux essayer des autres trucs, mais des chauves-souris, des araignées, ouais. J'avais pensé, je lui avais dit à Matt. D'ailleurs, c'est trop stylé, ça. C'est bon, hein? Ouais, c'est trop stylé. D'ailleurs, faudra qu'on fait la vidéo décoration d'Halloween. Ouais. On n'a pas grand-chose, mais on pourra la faire quand même. Ouais, on pourra la faire. Moi aussi, je vais vous aider. À mettre les chauves-souris et tout. Ah oui. Là, c'est toi qui as choisi, donc c'est toi qui vas mettre les chauves-souris. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai choisi. On va mettre sur le dernier meuble. Ah là, le meuble du milieu. Ouais. Ça y est, t'es tout rouge. J'ai bien vu. Ça pique. On attend Alexis qui ramène le tiède. Oh là là, ça me gratte. Merci. C'est satisfaisant. Pourquoi on dirait qu'il y a des paillettes? En fait, tu peux faire comme ça, ou sinon tu peux faire de la pâte à sel directement de couleur. Directement de couleur. Comme ça, t'es pas obligé de les peindre. Les peindre. Orange, noir et tout. Tu peux faire de la pâte à sel directement de couleur ou vous allez les peindre après? Et sinon, tu peux mettre. J'ai pas réussi à trouver les choses. Pas façon. Parce que tu peux faire directement de couleur, tu vois. De pâte à sel avec des colorants. Non, mais tu fais directement de couleur, mais tu sais même pas ce que tu vas faire après. Bah, par exemple, la séparer en plusieurs morceaux et faire un petit peu de relou, un petit peu de machin. Il faut mettre une couleur. Sinon, il faut les peindre après. Ah, ouais, c'est mieux pour les peindre. Allez, mélange bien tout. Hein. Parce que si on met une couleur directe, on va même pas savoir ce qu'on fait. Venez, venez là. Venez dans l'eau. C'est que l'on fera. Là, c'est moi. Non, genre c'est en mode lâche-moi, non. Là, c'est long à mélanger tout. Hein. C'est vrai, mais c'est satisfaisant. Ouais. Je mets pas tout d'un coup parce que des fois on met tout d'un coup et après c'est fort liquide. Il faut tout mélanger. C'est satisfaisant. Ouh, c'est pas grave, allez. Plus tu le fais vite, plus on va pouvoir colorer vite. Ouh. Parce qu'après, il faut que ça fasse au moins une heure au four. Hein. Ouais. Une heure. Enfin, si c'est des petites pièces, ça va, mais si c'est des grosses pièces, pareil, c'est trop long. Ah, mais faut pas faire trop gros, sinon c'est bon. Non, je vais pas faire trop gros. Tu vas en remettre? Ben, j'attends que tu l'as bien mélangé déjà avec ce que j'ai mis. C'est satisfaisant, maman. J'ai l'impression que je... Ça va, là, tu dis que c'est satisfaisant. D'habitude, tu dis, ah, j'aime pas. Parce que c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. On dit pas c'est dégueulasse, on dit c'est dégoûtant. C'est satisfaisant. Allez, mélange. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc... Ça fait quoi, ça fait un an? T'as passé le... je sais plus. On va faire début d'année, je crois. Tu l'avais pas fait avec nous, je crois. On l'avait fait pour les trucs d'abonnés, si t'étais là. On avait fait les trucs d'abonnés, je sais pas quoi. J'avais même essayé de faire un truc, j'avais pas réussi, ça m'avait énervé. Ou ça en avait fait, hein. Je crois qu'on l'avait pas donné. Je sais plus. J'en ai beaucoup. En fait, les trucs, c'est lourd. Ça reste dans la chambre. Maman, c'est lourd. On trouve des petits trucs de trucs de corps. Je peux en mettre de l'eau un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de farine dans le fond, non? Quand même. On met un petit peu d'eau pour tout mélanger. T'en as plus? Ah, si. Bah, mais la moitié de ce qui reste à peu près. Pour voir si t'arrives à tout intégrer avec la farine. Donc, je mets là, là. La peau. Et j'en mets un petit peu là.
Tu peux là, c'est beau. Elle va faire une grosse boule et tout. Bah, il faut faire une boule. Là, c'est là, c'est de l'eau déjà et tu touches pas. Ouais, tu touches pas. Et en plus, c'est. Non, non, non. Ah voilà, là, c'est mieux. Ça y est, Adeline qui a déjà goûté, non? De quoi? Ça. Ouais, c'est pas bon. Pourquoi? C'est du sel. C'est la pâte avec du sel. Bah ouais, mais c'est pas bon. Tu vois les gâteaux que je mange tout le temps, là, les savanes? Eh ben, j'en ai mangé avec du sel, c'est trop bon. Vous avez réussi à vous mettre de la farine tous les deux sur la tête? Non. Sur la joue. Pour comment j'ai fait, mais... Toi, t'as un trait et elle, elle a un point de farine. Des bêtises, des bêtises. Ben ouais, un point de farine. Maman, c'est bon comme ça, le roux? Le roux, c'est bon. Ne dis pas un truc trop gros. Et non. Trop gros, c'est pas tout prendre. Maman, ça c'est pas trop gros, je vais le former. Bah, si tu le formes pas trop épais et doux. Voilà, ma deuxième citrouille. Eh, ils sont mignons, hein, les citrouilles. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Des plus gros. Oh, des araignées! Deuxième partie. C'est bon, on les a fait cuire. Ils sont tous bien. Je vais essayer de vous mettre. On va les faire voir. Tu peux laisser lever. La peinture et tout. Ok, maman. Je vais essayer de laisser. Attendez. Maman, j'arrive pas. Maman, j'arrive pas à lever. J'arrive pas à lever. T'as pu lever? Yop, là. On va vous faire voir du coup. Alors, Alexis l'avait fait comme une citrouille ouverte avec un doigt. Non, ça c'est pas lui. Après, là, il avait fait pour faire comme un cercueil, je crois. Moi, là, j'ai fait ça pour faire des yeux. J'en ai fait deux. Là, j'ai fait des trucs comme ça pour faire des genres de toiles d'araignée. Moi, genre, j'ai fait des petits cailloux, des petites boules ou quoi. Et après, j'ai fait des petites citrouilles. Un crâne. Ah, il reste une boule. Ah non, j'en ai deux de petites des citrouilles. Os. J'ai deux petites citrouilles. Et deux yeux. Attends, les yeux. Des bonbons. Les yeux. Les yeux. Les deux petits yeux. Les doigts. Ça se trouve-t-il, les doigts. Et des petites araignées. Voilà, donc on va faire ça. On va faire la peinture, du coup, on va prendre la feuille. Et on va mettre... Tu veux faire du orange, du coup? Oui, orange. Faut que tu mélanges du... Quelle couleur faut que tu mélanges pour faire du orange? Je crois que c'était avec du jaune. Ouais, c'est bien. Avec du rouge. Comment on fait pour ouvrir ça? Tu mets un tout petit peu de jaune, genre celui à côté de celui-là. Juste là? Oui, on a un petit peu. Stop. Essaye de... On fait un peu de ça? Ouais, tu vas mélanger. Du coup, on va mettre en peinture. Alexis, bon, il est parti jouer, donc du coup, il nous a abandonné. J'aime beaucoup, mais ça va. Mélange bien, et si tu vois que ça fait pas assez orange, tu remets un peu de jaune chérie. Ah. Je vais faire un clair comme ça. Ça fait ça. Ouais, tu peux remettre un peu bien. Le jaune. Oh, ça fait du clair. Je vais faire un petit peu de couleur de peau. Ah ouais, pour les doigts. Ah ouais. Tiens. J'aime beaucoup de rouge.
Je les ai ouverts au cas où j'en ai pas encore assez. Quand j'en ai pas encore assez, je le. Ah. Ah oui. Je le laisse ouvert. Il sent plus mieux déjà. Regarde. Moi, ça va. On mange déjà du orange. Tu dormes. Ça va un peu mieux. C'est bon comme ça? J'aurais remis un petit peu de jaune quand même, non? Bon, après, c'est comme tu veux. Si tu trouves que ça fait orange citrouille, hein. Non, c'est rien. T'as des peaux, c'est pas ouf. Ça fait pas couleur peau, ça, si? Non. Si, quand même. Non, ça fait. Regarde, ça fait fort rose. Je sais pas du tout. J'ai dit le jeune premier et j'ai eu raison. C'était bien jeune. Alors que je connaissais même pas hein, qu'est-ce que ça faisait. Hein. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Non. Sinon, je connais, je connais juste comment on fait du clair. Alors bleu et blanc, ça fait les bleus clairs. C'est pas bien. Je vais prendre ici. Ça va mieux comme ça. Peut-être un peu mieux comme ça aussi. Mais... Là, ça suffit. Maman, j'ai fini, regarde. Regarde, j'ai fini mon orange. Mais moi, en fait, j'ai voulu faire un couleur peau et j'ai fait un peu orange aussi. Orange. Regarde, maman, l'orange. Il est trop beau sur la citrouille, en vrai. Ouais. C'est vrai bien. Attends, par contre, on va prendre une autre feuille. Tu sais pas faire quoi? Pourquoi? Pour poser quand tu auras fini de mettre en peinture pour pas en remettre sur la table. Ouais. Est-ce qu'on peut s'en mettre quand même sur les mains? La peinture? Ah oui, on ira se laver les mains. Ouais, dès que t'as fini, tu le poses sur la feuille pour qu'il sèche. Okay. Du coup, je vais vous faire voir un peu quand on peint et on vous fera voir à la fin. Ça glisse? Parce que on va pas tout vous montrer non plus. Ça glisse? Je sais pas si ça va faire une couleur un peu. Cher doucement quoi. On va tester. Hein. C'est bien celui-là. Ah non. Ah non, pas tout. Pas tout mon doigt. Je vais même décorer ça. Ça fait stylé comme déco d'Halloween en vrai. Hé hey, maman. Quand, quand on va se réveiller, quand tu vas me réveiller, bien sûr. Hein. Enfin, quand je vais te réveiller, imagine si je me réveille ce matin et que vous avez fini de mettre toute la déco sur la table. Non, je vais faire avec toi, chérie. Okay. On va faire en vidéo, à deux. On va décorer. Ah oui, c'est mieux, non? Bah ouais, oui. Mais pour le petit déjeuner. Ah, quand tu déjeunes, c'est un peu chiant de mettre la déco, du coup. Ouais, ça se fait. On dirait un dos. On dirait vraiment un vrai dos. Il est bien fait. Ouais, il est trop bien fait. On va mettre là. Attends, sur toi, l'orange. Regardez ce plateau. Il est magnifique. On est trop contents. Mais là, elle a fait ses petites citrouilles, on a fait des faux bonbons, on a fait des araignées. Alors, l'araignée, elle les fait flipper. On a fait des os avec du sang, les doigts, là, qui sont magnifiques, les yeux, le crâne. Regardez ça. Il est canon. Franchement, ça vous fait pas peur, les amis? Attention, regardez ça. Regardez-moi ça, le détail. Nous, on est trop contente.
Franchement, trop contente. Donc, du coup, on espère que cette vidéo pâte à sel Halloween vous aura plu. Si Alexis fait ses choses en peinture, je vous les mettrai en photo ou je filmerai, je vous les mettrai là à la fin de cette vidéo. Sinon, je vous les montrerai plus tard dans un prochain vlog, tant pis. Donc, on espère que ce plateau vous aura plu. Nous, on adore. C'est le plus important, c'est que nous, on est trop fans. Franchement, on est trop fans. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à... Et moi, pour la prochaine vidéo, je vais chercher ma... Bientôt, les amis.